Et soir des chatons. Voilà. faut que je mette mon chat ici. Là. Et que je retrouve mon image de référence. Je vais mettre mes lunettes. Non. Merde, j'ai pas mis d'eau. Alors, 8, 8, 8, 8. Qu'est-ce que je voulais en dehors de ça? Je ne sais plus. De l'eau? Heureusement que j'ai de l'eau. Ça va fabriquer de l'aquarelle qui traîne. C'est chiant, c'est de l'eau qui est chiant. Ça, j'ai pas besoin de sortir. Ah, il me faut mon shit.
Vu qu'on est tout dans des teintes bleutées, je vais peut-être utiliser du gris paille. Pas du tout où sont les reflets d'eau. Alors c'est lequel, celui qui prend le plus d'eau? Alors, le gris paille, il est là. Alors que je mette plus de bleu, je pense, pour l'ombrage, parce que même comme ça, c'est vachement pâle. Enfin, si je m'ombre pas au bleu, en fait, ça va faire bizarre. Je sais pas comment je vais faire pour avoir un bleu qui soit pas trop vif.
toute façon, ça sera en noir. Un poil de chat, mon chat, j'arrête pas de mettre ton poil partout. Sur l'avant. Est-ce que je fais tout en une fois ou est-ce que je me concentre que sur l'avant? Ah. La queue, ça va être un an, en fait. Je regarde ma ref là-bas, c'est pour ça que j'ai l'air d'avoir le regard perdu dans le bug.
Ah, poil. De pinceau, c'est tout. Pour une fois que c'est pas un poil de mouche. La patoune. Et la cruche. Ouf. La tasse, elle va me gêner. Garde la place. Ah, ça fait du bon. Ah. Ouais, une pub. Déjà une pub. Voilà. Et l'ombre qui arrive à peu près là. L'ombre de l'horizon. Parce que là on va croire que c'est que noir.
là là. Réserver son dos en mettant une planche pour dessiner droit, moi je peux vous assurer que du coup c'est pas facile de dessiner droit. Bon dieu de bon dieu. Alors, je suis désolée pour, parce que j'ai été obligée de mettre la caméra loin pour pas que vous soyez aveuglés par. Comment dire. Par la lampe qui est au-dessus, mais du coup. Bah, vous voyez pas là ce que je suis en train de faire. Hop, la pointe de queue est lumineuse. Bah, tant qu'il y a la pub, hop, je vais aller répondre parce qu'on parle. Je fais pas l'aile, celle-là. Comme ça, je suis débarrassée. Et après, je fais celle-là. Comme ça, je suis débarrassée. Et après, je fais la tête, la cœur. Enfin, bref, j'y irai dans le sens chronologique. Ça pourrait être pas mal. Ah ouais, mais j'ai un problème. Il faut d'abord que je fasse la crête ici avant de faire ici. Parce que ça, c'est de l'arrière-plan. Donc faut au moins que je fasse d'abord la tête, ou au moins la crête. Et après... Mais pour faire la crête, j'ai envie de faire la tête. Ah, je cherche des solutions, mais c'est pas si facile, hein. Ça veut dire que je dois faire mon mélange de bleu et... de noir. Non, c'est pas le Prusse, c'est... Si, c'est le Prusse que je veux. Parce que vide. Il va falloir que j'aille en rage le remettre. Alors, qu'est-ce que ça dit comme couleur ? Que ça fait un bleu très foncé qui est presque noir, même une fois dilué. Oula, pour le moment mon pinceau de toute façon il flotte. Et plein de bleu du coup. Ah, on est pas mal, mais il faudrait plus de nous. Là c'est encore un peu trop. Le but c'est que comme l'ambiance est bleutée, il faut un peu de bleu sans plus que ce soit full bleu. Salut Nina, mais ça va bien et toi? Quoi de beau? Ah ça me paraît pas mal. Mon pinceau est énorme.
Alors, au niveau... Faut que je baisse mon son, sinon je suis... Au niveau ambiance, tout ça, l'interaction avec les visiteurs, tout, c'était nickel. Il y a juste eu que, bah, plus les mois passent, plus on sent que c'est la crise, quoi. Et y a pas que moi, c'est tous les exposants à chaque festival, là, je vais discuter avec les copains et on est tous en mode ah, mon dieu. Sauf que les stands sont tous à chaque fois de plus en plus chers. Ouais, après Yggdrasil, moi en fait j'aimerais y aller en tant que visiteur. Le truc c'est que c'est juste trop cher, vu que c'est à Lyon, que ma voiture pour pouvoir y aller j'ai 200€ d'essence. Donc du coup en fait en visiteur, même si l'entrée pour les deux jours ça doit être quoi, si tu vas en VIP avec les horaires avancés et tout, ça doit être pour 40€ grand max. Donc 40€ je les ai, mais par contre les 200€ de trajet je les ai pas. Donc voilà, j'y vais en exposant, comme ça le stand me rembourse l'essence. Et le but en fait, voilà, c'est que moi ça me coûte rien, voire ça me rapporte de l'argent, c'est encore mieux. Parce que bon, mine de rien, le week-end est fatigant. Sauf que bah, ouais, hein, depuis que c'est la crise là, enfin, mon premier Yggdrasil, moi j'avais fait. J'avais gagné, vraiment gagné quasiment 700€. Mon deuxième Yggdrasil, dans les mêmes eaux à peu près. Mais là, je vois que déjà l'année dernière, bah, c'était voilà, début de la crise et tout, j'avais déjà fait que 300€ de bénéfices, encore une fois. Et cette année, j'ai gagné 60€ de bénéfices. Donc autant te dire que... Mais voilà, moi, vraiment, c'est très particulier. C'est le cas uniquement de Yggdrasil. Les autres festivals, j'y vais pour gagner ma vie. Normal, puis rencontrer avec les gens. Mais Yggdrasil, si je gagne 0, ça me va. Mais là, c'est vrai que le week-end, la première journée, en fait, j'ai quasiment pas vendu. Et pas rassurant, quoi. Je croyais vraiment que j'allais partir avec 300-400€ de perte. Et au final, j'ai pas fait de perte, donc ça, c'est cool. J'ai pas vendu d'originaux à Yggdrasil. Là, le dernier original que j'ai vendu, c'était à la Saint-Manga en septembre. Bon, Le Mans, il y avait personne. Enfin, Le Mans, je comprends pas. Ah, Le Mans, il n'y avait pas que la crise. Hein. Le Mans, il y avait aussi le fait que le festival se vend comme étant plus grand que ce qu'il est en vrai. Enfin, un niveau taille, hall, taille des halls. Il est grand, hein, mais niveau nombre de visiteurs, c'est Le Mans. Moi, je me dis que moi, pendant très longtemps, j'ai cru que Le Mans, c'était une grande ville. Mais en fait, non, c'est pas une si grande ville que ça. Donc, en fait, donc voilà. Et donc c'était un fiasco. Enfin, Le Mans c'était pas un fiasco parce que j'ai quand même. Pareil, j'ai pas perdu d'argent, mais j'ai pas gagné non plus quoi. Le Mans, j'ai dû faire 30€ de bénéfice. Et Le Mans au mètre carré, c'était mon stand le plus cher de l'année. Alors que voilà, c'est une petite. Le stand au Mans est beaucoup trop cher. Mais bon, si j'y vais pas, je peux pas le savoir. Peut-être que je vais vendre quelques petits
tout petits originaux si je suis acceptée au marché de Compiègne. J'ai fait une demande d'inscription pour le marché historique de Compiègne. Pour vendre mes aquarelles, mais pas tu sais, les aquarelles que je fabrique, hein, pas mes dessins. Mais bon, bah, même si j'ai demandé qu'une toute petite table, j'ai demandé une table d'un mètre. Donc vraiment, je crois que tu peux pas faire plus petit, en fait. Donc j'ai demandé juste de quoi, un mètre, pour mettre une toute petite table et mettre mes aquarelles. C'est à côté de chez moi, donc je m'en fous, tu vois, j'ai pas de frais d'essence, j'ai pas de frais de logement, et j'ai pas de... comment dire... Et bah voilà, les marchés médiévaux, en fait, ça coûte quoi? Ça coûte 40 balles, entre 40 et 50 euros le mètre. Donc tu vois, je m'en fous de mettre 40 ou 50 euros, et... très probable quand même que je rembourse au moins cette somme-là. Et en fait, je veux découvrir le marché, voir... J'y vais tous les ans en visiteur. En fait, il y a deux éditions. Il y a une édition au printemps, ça c'est le marché historique de Compiègne. Et t'as une édition en automne, qui s'appelle Food Histoire, où t'as tout un hangar qui est dédié aux troupes. Donc tu sais, les gens qui font de la reconstitution historique, les sirènes dans des piscines ou dans des grands aquariums, des cracheurs de feu, enfin bref, toutes les troupes qui animent tout ce qui est marché fantastique médiéval, tout ça. Et eux, ils sont là pour faire connaître leur travail et vendre leurs prestations. Et donc, ils sont pas forcément en représentation, mais ils sont là pour te parler de ce qu'ils font. Et donc, t'as tout un hall qui est dédié à eux, et puis t'as le marché historique à l'extérieur. Et moi, je vais toujours à l'édition d'automne, parce que quand il y a que le marché de l'histoire, bon bah c'est cool, mais t'as pas les troupes, et je trouve ça un peu triste, même s'ils font pas forcément de spectacle, les troupes. J'aime bien les rencontrer, discuter avec eux, c'est cool. Mais donc moi j'y vais en automne, en visiteur, tous les automnes. J'y vais pas le printemps en fait, uniquement parce que j'ai pas les moyens, mais sinon c'est intéressant aussi. Mais en fait le truc c'est que si j'y vais, je vais dépenser pour au moins 200 balles de trucs d'artisanat. Donc je n'y vais pas. Et comme ça, je dépense que à l'édition d'automne. Ah, sinon deux fois par an, ça serait pas possible quoi. Mais et donc voilà. Sauf que là, bah, je veux découvrir en fait comment ça se passe en tant que visiteur. Donc je vais aller en exposant à l'édition du printemps. Puis bah, on verra ce que ça dit. Si les gens sont convaincus, si ça me plaît, si. Enfin voilà. Mais on va voir parce que du coup, la grosse diff avec les festivals geeks, c'est que les gens qui y vont. Généralement, enfin surtout que là c'est un marché historique, c'est pas une médiévale, c'est vraiment un marché historique, donc tu sais que tu y vas pour acheter des choses. Les gens qui vont dans ce genre d'endroit, en général, ils ont plus grande connaissance de la valeur de l'artisanat, donc il y a peut-être moyen de plus facilement vendre en fait. Que quand c'est en festival geek, bah t'as beaucoup de familles qui font une sortie, voilà, et puis ils viennent surtout voir, faire les animations, tout ça, mais ils n'ont pas forcément envie d'acheter des choses. Mais bon, faut que mon dossier soit accepté. Et étant donné que je fais pas de la reconstitution de l'historique pure et dure, c'est quand même un marché historique. Eh, je sais pas. Ouais, bon, puis surtout que là, c'est une table d'un mètre. C'est chill. J'installerai pas j'installerai que le samedi matin, tu sais, si on m'y autorise. Avec ma bâche, mes aquarelles et puis 2-3 dessins originaux, histoire de. Hop! Mais ça va bien et toi? Non, par contre, à Yggdrasil, j'ai surkiffé la zone demain, mais en mieux comme d'hab. J'ai passé tout mon week-end. Non, c'est pas vrai, j'ai passé tout mon week-end sur le stand. Mais j'ai bien passé, ouais, 3-4 heures là-bas le dimanche. C'est trop bien. Ouais, bah là, je suis en train de faire la couverture du livre. Dès que j'ai fini la couverture du livre, je publie la première légende sur Wattpad pour que les gens se fassent un avis. Je finis l'image de couverture du Lul, du coup. Et puis, je pourrais prendre les autres illustrations.
hop, qui seront dans le livre, sachant qu'elles seront pas aussi poussées que celle-là. Ça, c'est une couverture, donc forcément, elle est un petit peu plus... voilà, hein, j'ai un petit peu plus donné dessus que sur les autres illus du... Mais ça fera quand même des illustrations couleurs, tout ça, tout ça. Alors, non, il n'y a pas d'étoile ici. Est-ce que je vais faire le coup? C'est par bien grâce à l'épaule. Moi, mon Ulule, en fait, il est déjà prêt, tu vois. Là, la page Ulule, techniquement, est déjà prête. Alors, je vais rajouter des petites images et tout pour qu'elle soit plus jolie, mais sinon, tout est déjà ready. C'est pas un Ulule à l'envergure de... Enfin, tu vois, c'est pas un Ulule aussi chiadé que je fais d'habitude. Parce que là, on est sur un plus petit objectif. Puis à 800€ d'objectif. Ça nous amène loin des 1500€ habituels. Après, techniquement, comment dire... Bah déjà, c'est parce que t'as pas la collector, t'as pas deux livres à éditer, là j'en ai éditerai qu'un. Enfin voilà, c'est plus chill. Techniquement, je pourrais même le sortir moi-même, le livre, directement, mais bon... En fait, j'ai le truc, c'est que si je le fais en Ulule, j'ai une chance de réussir à faire un livre plus beau. Tu vois, peut-être une couverture rigide ou quoi, ça dépendra des paliers qui sont atteints. Alors que si je le sors moi-même, bon bah je sais que ça sera le minimum syndical. Et... Autant faire un Ulule et espérer avoir mieux. Ça permet aux gens d'avoir des goodies en plus, c'est ce que je dis à chaque fois. Hop là, alors... est-ce que je peux pas aller là-dessus directement? Mon compte, il doit être enregistré. Ulule. Voire même, je suis peut-être toujours connectée. Qui sait? Eh oui, je suis connectée. Alors, légende d'Universal et Draco. Les paliers, les contreparties. Alors, déjà, j'ai pas mis de petite contrepartie, tu sais, j'ai pas mis la contrepartie que je mets d'habitude à 5 balles où t'as que le marque-page, parce qu'au final, personne la connaît, donc ça sert à rien, tu vois. Donc je commence directement à 20€ avec le livre, où t'as le livre, le marque-page de la campagne, et c'est tout. C'est vraiment le basique. Ensuite, à 35€, t'as le livre plus les goodies, c'est-à-dire le livre, le marque-page, le badge, un porte-clés 5 cm sur acrylique, et un print doré. Je sais que, moi, les prints dorés. À 50€ ou plus, tu as le livre plus un des croquis originaux qui est dans le livre. À 150€ ou plus, tu as le livre plus une des peintures originales qui est dans le livre. Tu sais, comme les dessins que j'ai sortis il y a quelques temps, là, les 4 dragons élémentaires. Ça sera à peu près dans ce style-là, quoi. Et à 500€ ou plus, la personne qui... Enfin, il n'y a qu'une seule contribution à 500€ ou plus. Si quelqu'un la prend, il crée une légende avec moi. Enfin, voilà, on crée une légende tous les deux à mettre dans le livre, puisque c'est un recueil de nouvelles. Donc,
la personne créait la légende avec moi, et bien sûr à l'aquarelle originale de la légende qu'on a créée ensemble. Sachant que, pourquoi je dis on crée ensemble une légende, parce que bah faut que ça corresponde à mon univers, faut que ça soit, tu vois, pas sous licence, faut que ça vienne, enfin... Y'a, faut bouiner, voilà, faut que ça soit en mon travail. Mais la personne du coup peut donner des petits machins, des petits trucs, on peut, voilà, permet de faire un truc à quatre mains. Voilà, voilà, pour les contreparties. Et oui, tout à fait, il y a pas eu beaucoup de gens qui sont juste contents d'aider, c'est pour ça que à chaque... Comment ça ? Ah, voilà. À chaque ulule que je fais, j'ai toujours des gens qui donnent des sous en contrepartie. Donc voilà, un petit ulule, mais il y a quand même des contreparties, je pense, assez sympas pour les gens. J'ose espérer. Je voulais pas non plus que ça fasse, tu sais, genre... juste à le livre de contrepartie qui se bat en duel et puis c'est tout. Mais bon. Et t'as des paliers, mais je les ai oubliés. Faut que j'aille regarder sur le doc que j'ai fait. J'ai pas pensé aux paliers. Attends, hop, on gratte son œil. Alors, document... Le Ulule 2024. Alors les paliers, à 100% le roman est financé, à 150% il y a des dédicaces dans tous les livres, à 200% le livre il passe en couverture rigide, sachant que le livre de base c'est un livre... Pop, 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 je sais plus où c'est noté... Alors, de base, c'est un livre de... J'ai pas mis le nombre de pages. Ah si, de 150 pages minimum. Après, bah, plus il y aura de... Comment dire, plus il y aura de financement, plus je pourrais mettre d'argent dedans. Donc, voilà. Mais minimum, 150 pages, couverture... Enfin, tout couleur, la couverture, l'intérieur, et de la dorure sur la couverture. De base, il est en couverture souple. Mais, donc, comme je disais, à 200%, il passe en couverture rigide. À 250%, j'ajoute un pin sans bois, et à 300%, j'ajoute un carnet de notes à 5 de 60 pages. Voilà. Sachant que, comme je disais, c'est pas un très gros ulule, donc les paliers peuvent quand même assez facilement être atteints. Parce que mon dernier ulule, il a fait 5 000 €. Là, comme je demande 800, bah si, tu vois, il suffit de faire 1600, entre guillemets, seulement, pour avoir la couverture rigide. Donc ça peut se faire. Ça peut. Ça veut pas dire que ce sera forcément le cas, mais ça peut. Ouais, bah pareil, tu vois, la dédicace, c'est 150%. 150%, c'est 8, 9, 10, 11, 12. C'est 1 200 €. Et j'ai aucun livre qui a fait moins de 1 200. Il y a de bonnes chances qu'il y ait les dédicaces. Après, pour ceux qui ont des... Parce qu'il y a des gens, hein, qui ont des livres qui ne sont pas dédicacés. C'est rare, mais ça peut arriver. Ceux qui veulent, ils viennent me voir avec mon livre en festival, je leur dédicace. Alors le Ulule, il démarre en mars. Après la sortie du bouquin, je suis pas encore fixée.
Ça va surtout dépendre de quelle vitesse j'avance après, mais ça devrait être assez rapide, mine de rien. À la base, je voulais le faire sortir en avril, mais là, c'est mort. Je sais que c'est mort. Donc, j'aimerais essayer de le faire sortir pour l'été. 40 jours, comme d'habitude. Parce qu'en fait, un mois ou moins, je trouve ça trop court, parce qu'il suffit que les gens aient un mois un peu compliqué, ou je sais pas, voilà. Et plus long, en fait, les gens oublient, passent à autre chose, et ça sert à rien. C'est la durée idéale d'après Ulule, et je suis plutôt d'accord avec eux. Normalement, en fait, tu tombes que les gens ont déjà auront leur salaire au moins deux fois, tu vois. Avec un Ulule qui dure 40 jours. Ce qui permet aux gens de plus facilement pouvoir adapter. Non. Ah, le problème c'est que lui c'est on est sur un gros dessin donc rien que tout seul je sais pas combien il va valoir mais il aurait fallu que je fasse une contrepartie juste pour lui quoi. Et j'avais pas envie de multiplier trop les contreparties. Mais par contre, je pense que ça sera celui que je ferai dans les cartes d'eau. Tant qu'à faire. Dans les contreparties, comme je disais, on est sur des dessins qui sont un peu dans le... Comment dire ? Un peu dans l'esprit de mes dessins qui sont sortis il y a pas longtemps, là, des dragons élémentaires, et donc du coup, on est sur des choses à... Des dessins qui normalement valent... Alors, attends, faut que je calcule ça. Faut que je regarde le nombre d'heures qu'ils m'ont pris, et puis que je calcule. Pas celui-là, parce que c'est l'un des plus longs. Mais ouais, celui-là, il était pas trop long. Ah, pipi. 15. Ouais, bah ils sont à peu près dans les... Comment dire ? Dans les valeurs de ce qu'ils valent, quoi, tu vois. Enfin, tu vois, si la contrepartie est à 150, les dessins valent 150. Le truc, c'est que t'as le livre, t'as les contreparties. T'as... En gros, t'achètes plus ou moins, t'achètes un dessin, t'as un livre offert avec dans le principe, ça va être ça sur le Ulule. Après, t'en as qui vont valoir un poil plus, d'autres un poil moins, c'est... Je vais pas faire un prix par contre partie, mais c'est normal, tu vois. Mais on est sur des dessins qui vont tourner entre, ouais, dans les 150 balles. Là où un dessin de cette taille-là, c'est plutôt un dessin qui va tourner dans les 400-500 balles.
Ça m'embête, j'ai envie d'ajouter, mais pas grand chose à ajouter. Alors que j'ajoute au blanc en fait. C'est un peu l'avantage de travailler sur... sur le papier coloré. Alors normalement, je fais pas de la merde, si je respecte bien mon planning, etc. Il devrait y avoir 13 croquis, 13... Enfin, il devrait y avoir à peu près 13 légendes. Après voilà, je suis pas à une ou deux près. Hein, en fait, là j'ai pris mes 150 pages, j'ai divisé par le nombre de pages en enlevant les pages de garde, tout ça. Et si je veux des histoires qui sont à peu près la même longueur, qui sont à peu près équilibrées et tout, ça m'amène à 13. Puis j'aime bien 13, il y en a pour qui ça porte malheur, il y en a pour qui ça porte bonheur, j'aime bien l'idée. Mais si je me retrouve à me rendre compte que j'ai de quoi... Enfin genre déjà, si quelqu'un me prend la contrepartie, il y en aura 14. Si au final, je me rends compte que je veux faire une légende très courte ou une légende deux fois plus longue, je me retrouve peut-être à 15 ou alors à 12. De base, j'en ai prévu 13. Après, c'est à peu près. Alors là, c'est une excellente question. J'en sais strictement rien. Je pense qu'il y a une partie que je montrerai avant le Hulul. Et puis une autre partie que je montrerai sur le Hulul. Enfin, tu vois, comme je poste une fois par semaine mes dessins, jusqu'à ce que le Hulul démarre, en fait, je vais poster un par semaine. Il y en a peut-être qui d'ailleurs seront même pas encore sortis, donc il y en aura peut-être un peu moins. Les croquis, je sais que ça sera sûr. Après, les dessins en eux-mêmes. Appela. Tiens, ça me fait penser qu'il faut que je fasse des vidéos de là quand je... Je réponds à mon frère. Thank you.
je boive, eh ben il me reste du cappuccino, donc ça sera au cappuccino. Alors, justement, c'était quelque chose que je savais pas trop si je devais faire les contreparties en... Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Est-ce que je dois faire... Ça, c'est un truc, justement, j'ai pas choisi. Est-ce que je dois faire les contreparties en bloc? C'est genre, est-ce que je mets... tu payes, donc, va, 35 euros ton... 35 euros ton livre avec tes goodies et tout. Et est-ce que je fais une deuxième contrepartie où t'as les croquis, les originaux et voilà. Et ça permet d'atteindre les paliers que je te disais tout à l'heure. Ou est-ce que je fais bah, une contrepartie où t'as un livre plus un croquis. Tu vois, ça je sais pas encore si justement on pourra prendre deux croquis, le livre à part. Enfin tu vois, si on pourra faire son petit panier soi-même. Ou si bah, je fais juste t'as un livre et tu choisis ta... Enfin, tu vois, je sais pas encore. J'avoue que là même moi j'ai pas encore décidé. Parce que justement, je me dis, est-ce que ça intéressera les gens si je sépare les choses? Ou, enfin, tu vois, je connais, enfin, toi, tu connais le fonctionnement de Hulle, moi aussi, mais quand j'en parle avec des gens, des fois, ils comprennent vraiment mal. Comment marche un crowdfunding et tout, et ils veulent du coup un truc à machin, et comme tout est pas dans un pack, ils comprennent pas... Tu sais, genre ils vont prendre le croquis, et puis ils vont se dire « Ah mais pourquoi j'ai pas eu le livre ?» Bah parce que... parce que t'as pas pris le livre, donc t'as pas pris le livre, t'as pas pris le livre. Bah je sais pas s'il y a un système d'add-on. Je sais qu'il y a un système de choix, tu sais, tu peux faire une contrepartie à choix multiples. Mais je sais pas si tu peux faire des trucs à ajouter. Je comprends. En tout cas, pour le troisième, le Ulule du troisième livre, ça sera comme ça que ça fonctionne. Ça, c'est sûr, je l'ai décidé, je l'ai annoncé, j'en ai parlé en long, en large et en travers. C'est... Comment dire, on pourra choisir indépendamment ces différents trucs. Mais voilà, pour celui-là, j'étais pas encore sûr. Avec ce que tu me dis, j'ai envie de faire un truc comme ça. Parce que... Parce que j'ai une connaissance qui a fait un Ulule comme ça et ça avait marché. Il y avait des gens qui avaient pris comme ça 3, 4, 5 originaux, c'est tout ce qu'ils voulaient, avec un livre juste. Ils étaient refaits, tu vois, les gens étaient trop contents parce qu'ils avaient eu ce qu'ils voulaient. C'est une personne dont les originaux sont assez rarement en vente. Forcément, tu te doutes bien que quand des gens qui ont rarement des originaux en vente mettent des originaux sur des Ulules, ça part comme des petits pingues. Prévois le bon côté des choses, ça t'a permis d'économiser de l'argent.
Ouais, c'est ce que je me dis aussi, hein, parce que sur le, justement sur le Ulule de cette personne, je voulais plein de trucs, mais bah, j'avais pas l'argent, et puis le temps que j'aille voir, bah, des gens avaient déjà pris les originaux que je voulais, et je me suis dit, bon, bah, j'ai gagné 60 balles. Toujours chercher à avoir le positif. Ouais, mais justement, si aujourd'hui t'as plus d'argent, c'est qu'il t'a été utile pour d'autres choses. J'ai... Là, malheureusement, ça dépend pas de moi. Le truc, c'est que j'emmerde assez ma mère, lui demander. Tu vois, c'est comme mon frère avec le site internet. C'est... Je dirais que tous les trois mois, je reviens à leur dire « Au fait, ce truc-là, qu'est-ce que c'en est où ?» Ouais, tant que ça dépend que de moi, bon bah voilà, il y a que moi à qui je peux m'en prendre, mais dès que ça dépend de quelqu'un d'autre... Bon, surtout que ma maman, on va dire que je la... Le problème c'est que je la paye même pas. Mon frère, je le paye un petit peu. Clairement pas à la valeur de ce qu'il fait quand il fait un site internet, mais... Un petit peu. Ça peut te rassurer, je les attends aussi avec impatience. Hein. Par contre, plus le temps passe, plus je me dis qu'elles seront peut-être directement en vente chez elles. Parce que... S'ils acceptent son dossier, par exemple, elle sera en expo à Nantes. Toute seule, sur son stand, à elle. Tu vois, je serai pas là, je viens pas, j'ai rien participé. Elle a fait son dossier toute seule, donc j'espère qu'elle sera prise. Et j'espère que ça marchera. Mais donc tu vois, si elle fait des peluches, je pense que le mieux c'est quand même qu'elle les vende de son côté. Après, comme c'est mon univers, tout ça, je ferai une petite partie, mais pas grand chose. Mais moi je m'en fous, tu vois, j'aurai le plaisir de voir mes peluches. Mes dragons en peluche. Après, il y a pas mal de fois hein, où elle m'a dit « Ah oui, j'ai vu des patrons pour faire des peluches, ta-ta-ta. » Oui, mais le problème, c'est que c'est les patrons que tout le monde utilise et que du coup, t'auras les mêmes peluches que tout le monde et c'est un peu... pas ça nécessairement très intéressant, en fait, que ça soit d'un point de vue création ou même d'un point de vue vente, en fait. Donc techniquement on pourrait déjà avoir les peluches mais ça serait pas des patrons uniques au monde donc je l'ai pas encouragé à faire les peluches avec des patrons qui appartiennent à la base à quelqu'un d'autre. Parce que quand tu en vois plein en festival des petites peluches de dragon ou quoi, mais le truc c'est que tout le monde utilise le même patron. Ça manque un peu de... Non, elle créerait des patrons, mais sous mes dessins, par contre. Enfin, tu vois, je serais... Moi, je designerais, et puis après, les patrons seraient faits par elle. Je pourrais créer les patrons, le problème, c'est que...
Je serais pas forcément capable de faire un truc qui soit si rapide, si simple. Enfin, je pense qu'il vaut mieux qu'elle les crée elle-même avec des dessins à la base. Que si c'est moi qui les fais, je vais les faire de façon à ce que ça me convienne et que ça ressemble à ce à quoi je veux. Mais après, s'il faut 20 heures pour faire un demi-quart de la peluche, bah moi j'en saurais rien. Tu vois. Moi j'essaierais pas du tout d'optimiser le temps de travail et tout. Donc je préfère qu'elle les fasse elle-même, qu'elle puisse au moins, tu vois, un peu... faire en sorte que ça soit un peu pratique pour elle, tu vois. Non, par contre, ce que j'ai sur mon stand, et dont je n'ai pas du tout parlé en dehors des festivals, c'est des... qui sont faits par ma mère, mais que du coup je paye moi, et puis après je peux vendre de mon côté. C'est... des sachets surprises. Je voulais des... tu vois, je voulais faire des pochettes surprises, mais avec où tu as pas mal de choses, et qui soient pas en juste une enveloppe. Donc en fait, je lui ai fait faire des pochettes format un peu plus grand que A5, du coup tu peux rentrer dedans, je rentre une enveloppe avec des prints A5 offerts. Dedans il y a aussi des formats cartes postales, des formats CEO, j'ai des badges, un marque-page, enfin tu vois j'ai pas mal de petites choses. Et sauf que du coup t'as le petit sac, qui c'est un petit pochon en fait qui se ferme avec deux cordelettes en haut, et format A5 avec mon symbole... Ah j'ai un truc où t'as la tête d'un de mes dragons en forme de... d'entrelacs celtiques. Et donc je tamponne ça avec une encre spécifique qui est faite pour le tissu, un tampon qui est fait pour le tissu. Et voilà, les gens peuvent acheter ça. Du coup, ils ont un très joli petit pochon cousu main. Et je suis bien contente de ces petits pochons. Ouais, et puis surtout qu'en fait ça me permet d'avoir des pochons qui sont vachement plus qualitatifs que si je les achetais sur le net. Alors qu'ils sont à peu près au même prix quoi, parce que bon... c'est ma maman, donc elle me les fait à pas cher. Après bien sûr que si elle devait les vendre à une tierce personne ou quoi, ça serait pas pareil, mais... moi je les ai vraiment au prix le plus bas qu'elle pouvait faire quoi. Du coup ça me permet de les vendre pas trop cher. Et en plus, comme ils sont garnis, c'est des pochettes surprises, quoi. Je les vends pas telles quelles directement. Alors, est-ce que ça me convient? J'aurais bien mis un peu plus sombre. Au final, je suis en train de me rendre compte que ma peinture, voilà, enfin... dragon est un peu clair. Alors vous allez me dire, d'un autre côté, il est blanc, donc c'est normal qu'il soit un peu clair, mais... il est censé être dans l'ombre, quand même. Ah, dans l'ombre. Quoique cette zone-là, elle est au soleil, encore. Mais le soleil, il arrive un peu de l'arrière. Donc, c'est peut-être encore un peu clair. Assombrit trop, bon bah tu peux plus trop éclaircir, mais tant que c'est trop clair tu peux toujours remettre de la peinture pour faire en sorte que ça le soit moins. Je suis contente aussi, mes aquarelles, bah ça part, hein, elles se vendent. Alors c'est pas forcément, je les mets pas parfaitement bien en avant, mais bah voilà, forcément je suis un peu contente quand même de voir que ça se vend. Voilà, petite bonne nouvelle.
je vais aller chercher. Qu'est-ce que ça donne? Tac. Ça. Attendez que ça se... Moi j'ai pas la caméra en direct. Voilà. Donc celle-là, elle a été faite à 100% avec des aquarelles artisanales. Mais quand je vous dis 100%, c'est vraiment même la l'aquarelle dorée. Là, ça crame un peu. C'est dur de vous la montrer. J'essaie de... Voilà. Donc même l'aquarelle dorée, là, qui est sur les bords, eh ben, c'est moi qui l'ai fabriquée avec des pigments dorés qui me restaient. Et donc on est sur des... Bah ma couleur, mes couleurs tendres hiver, quoi. Il y a moyen de l'éclairer plus et que la... Et la mise au point. Il veut pas trop faire la mise au point, il a un peu de mal. Mais donc ouais, elle est toute, toute nouvelle celle-là. Elle m'a servi à faire la boîte... La boîte des carnes... Enfin des... Mes couleurs. Si, si, non, mais celle-là, elle est faite, justement. Cette peinture-là, elle est faite avec les peintures que moi, je fabrique. Ah, je vais réussir à les attraper. Tac. Donc cette peinture-là, elle a été faite avec ces couleurs-là que j'ai fabriquées. Ah, plus tu je l'ai fait moi-même, tu meurs. Hein. Vraiment. La seule chose que j'ai pas fabriquée pour ce qu'il y a dessus, c'est le crayon noir. Voilà, tout le reste, bah les couleurs, c'est moi qui fabrique. Justement pour que les gens puissent voir le rendu bah, de mes aquarelles artisanales, quoi. Et là, j'ai mon pigment du coquelicot, mais j'attends qu'il s'oxyde parce que pour le moment il est violet. Et que la dernière fois que j'ai eu un pigment violet, enfin il est violet très clair, hein. La dernière fois que j'ai eu un pigment violet, il est devenu marron avec le temps. Bah, je vais le chercher, il est juste à côté. Voilà, regardez. À la base, ce pigment-là, il était violet. Et là, on voit que... Bon bah, c'est pas du tout... Même avec la forte lumière, là, vous voyez bien que celui que j'ai dans la main, là, il est marron. Et puis celui que j'ai dans la main, là, il est violet. Donc à la base, celui-ci était de la même couleur que l'autre. À peu de choses près. Donc j'attends de voir si lui, il va reprendre sa couleur d'origine. Et s'il reprend sa couleur d'origine, il devrait devenir rouge. Donc j'attends de voir qu'est-ce qu'il va dire. Advienne que pourra. Attendez, je vais essayer de reboot la lumière. Voilà. Après, j'avoue que les pigments que je fabrique moi-même, j'essaye pas vraiment de faire des couleurs particulières. Et ça donne les couleurs que ça donne. J'ai abandonné. En fait, j'y arrive, mais jusqu'à ce que je doive faire le laquage. Et une fois que je fais le laquage, bah, les couleurs font ce qu'elles ont envie de faire et je les maîtrise plus du tout. Tant qu'elles sont à l'étape jus, entre guillemets, elles obéissent bien. J'arrive bien à faire ce que je veux faire avec. Je peux donner la couleur que je veux, que ce soit un peu plus violet, un peu plus rouge, un peu plus marron, un peu plus noir. Et dès que je fais le laquage, en fait, comme ça augmente l'acidité, bah... Et je sais pas du tout comment faire pour laquer les pigments sans
soit mettre un basifiant, soit mettre un acidifiant avant, puisque le principe c'est de faire une réaction chimique entre de l'acide et de l'alcalin pour justement enfermer les pigments dans une espèce de coque de métal. En fait, on utilise un métal qui est sous forme de sulfate. Donc moi, j'utilise souvent le sulfate d'aluminium, mais tu peux faire ça avec d'autres sulfates. Et le principe, c'est que en mettant donc le sulfate d'aluminium, c'est acide, et en mettant en fait un alcalin, souvent ça va être du washing soda, comment ça s'appelle en français ? De la soude, des cristaux de soude, ou un truc à base de soude. Tu vas en fait faire que les pigments qui eux sont fragiles à la lumière, qui résistent peu, enfin qui sont solubles dans l'eau, etc., vont être attrapés par les métaux, enfin par le métal, et du coup en fait on va voir le pigment à travers le métal, mais le pigment est plus enfin la couleur est plus, enfin oui ça s'appelle un pigment, une couleur, n'est plus atteignable directement. Et donc en fait les pigments ne sont pas solubles dans l'eau, c'est pour ça qu'on doit mettre de la gomme d'arabic pour l'aquarelle. Bref, tout ça pour dire que au final, au moment où que j'ajoute d'abord mon sodium, que j'ajoute d'abord mon métal, que peu importe, que je mélange mon métal et mon sodium avant de les mettre, je sais pas pourquoi, la couleur bouge toujours. Je pense qu'il y a un truc que j'ai pas encore bien saisi. Mais ça fait que pour le moment, bah, je suis pas capable de maîtriser ma couleur, de lui dire bah non là c'est bon, t'as une belle couleur rouge, reste rouge. Non, la couleur elle dit bah merde, moi je vais devenir violet. Ok. Et donc c'est ce qu'avait fait ma campêche que j'avais fait un très beau violet en mettant beaucoup d'acide dedans. Donc j'étais bien contente, tu vois, je me dis ouais chouette, c'est violet, c'est beau. Et en fait avec le temps, les pigments ils se sont réalcalinisés tout seuls. Et donc ils sont devenus marrons, c'est la couleur de base de la campêche. Donc du coup, bah, je me suis dit, on va voir si ça fait la même chose avec le coquelicot. Est-ce que le magnifique rouge que j'avais, si j'avais un super beau rouge, un peu lit de vin, vraiment c'était très beau, est-ce qu'il va revenir tout seul comme un grand ou pas? Et il n'y a que le temps qui me le dira, parce que c'est ce qui s'est passé avec moi. C'est le temps qui a amené... bah là, ma campêche, elle a bien mis 6 mois à changer de couleur. Donc, alors, être patient. Ouais, ça se fait pas. Autant quand tu mets l'acide, c'est instantané, tu vois. À l'air libre, ça met des plombes à changer. Bah non, parce que techniquement, en fait, ça devrait même pas changer de couleur. C'est ça que moi, j'ai pas compris quand je l'ai fait, c'est que je sais même pas comment ça a changé de couleur, puisque normalement, c'est enfermé dans du métal. Donc il y a pas de raison que ça s'alcalinise tout seul. Mais bah, écoute. Ils ont dit on fera ce qu'on veut, bah ils font ce qu'ils veulent. Malheureusement, ma couleur elle m'a dit merde. Encore, hein, c'est la seule qui m'a fait le coup parce que mes jaunes par exemple ils bougent pas. Ils sont jaunes et puis peu importe l'acide, ils deviennent juste plus vifs, mais après ça bouge plus quoi.
C'est vraiment la seule couleur, ma campèche, c'est la seule qui a fait ça. Donc bah... C'est pour ça que j'attends que je laisse gentiment mon Kokiko se reposer. Voir s'il va me faire la même blague ou pas. Dommage que ça crame l'image là. Il veut vraiment pas, tu sais, rester sur un truc pas cramé. Mais de toute façon là, mes prochains pigments que je fais à la main, va falloir que je les mette dans des tubes, parce que les godets, ça, c'est trop dur à travailler. Alors, du coup, merde, j'ai plus mes références. Pour avoir la bonne couleur de la crête. Alors... un bleu outre-mer. La poêle de chat dans le pot. Merde. Cette partie là je ferai les... tu vois là, autant j'ai mis de l'aquarelle pour faire le reflet sur les côtes, autant je vais mettre de la gouache pour les reflets sur la crête, comme pour la montagne là en fond où j'ai mis de la gouache. D'ailleurs je vais en chier là pour faire les éclairs partout. Ça va être toute la gouache que j'ai déjà mise. Jamais de la vie, jamais de la vie je vais réussir à bien... Enfin, ma gouache, elle va déborder partout, ça va être horrible. Je vais en chier. Ça va être un enfer à faire les ombres. Que veux-tu? C'est la vie. C'est un A3, tout à fait. Là, vous voyez un format... ouais, un A5, un gros A5 entre... Vous voyez d'un format... je sais pas moi, 18 par 24 à peu près.
entre A4 et A5. En fait, la partie qui servira pour la couverture... Bah merde, du coup, je vois plus le châssis, mais ma bouteille. La partie que vous voyez, là, ça sera la couverture du livre. Après, le reste du décor, c'est parce que je me permettais de remplir, de faire un joli format pour un tableau, mais ça sera pas sur la couverture du bouquin. Je vais faire de la retouche numérique pour pouvoir... Je veux que ça soit un peu dans... Sans que ça soit comme les étoiles jumelles. Je veux que ça soit dans le même esprit. Et donc en fait, le dragon sera visible sur la couverture. Donc c'est pour ça qu'il aura un effet constellation. Même si pour le moment ça se voit pas. Ça sera surtout là dans l'aile et là. Là dans l'ombre. Enfin voilà. Mais par contre, pour ce qui est du reste du dessin, il y aura une dorure, du coup, comme je disais. Et surtout, ça sera un fond café, tu vois. Comme je fais pour la plupart de mes livres. Pas que j'aime pas les dessins full illustrés, hein, mais c'est juste que je veux que ça reste dans le même esprit. D'où le choix de faire un dragon dans des teintes bleues avec un petit effet enfin, bleu et violet, avec un petit effet de constellation. Et j'avais demandé sur le Discord si c'était mieux que je reste dans le même esprit, si je... partait sur totalement autre chose ou quoi, et il en est ressorti que visiblement les gens préféraient que ça soit un peu dans le même esprit quand même. Moi ça m'arrange parce que j'aime beaucoup faire mes couvertures de bouquins avec un petit effet nébuleux, aquarelle. Rien, ça participe à la... Ouais, bah en fait c'est ça, c'est que mes livres, en fait vraiment, la signature de mes livres, ça finit par être fond café nébuleuse dorée. Alors sur mes romans, le doré se voit pas parce que bah comme il n'est pas métallisé, bah on le voit pas, mais si j'avais eu les moyens de faire mes couvertures avec de la dorure à l'époque, y aurait eu le contour doré qui est sur les sketchbooks par exemple. On va dire, même si on le voit pas, et techniquement il est là. Ah, violet. Quel violet j'avais mis? Le dioxazine, je pense que c'est le meilleur pour faire des ombres puissantes. Juste avant le bleu de Prusse, donc il est pas loin, facile à trouver, nickel.
Ah, bah là. Enfin, sous, c'est chiant quand tu travailles sur des toutes petites zones cosplay comme ça. Parce que si tu mets pas assez d'eau, bah tu dessines pas quoi, ça se trace pas. Et si tu mets trop d'eau, bah tu peux pas faire un travail précis. Bon, un trop petit pinceau, pareil, il se charge pas assez d'eau et il veut pas tracer. C'est pour ça que je travaille toujours avec des pinceaux, mine de rien, assez gros. Bah, c'est du 1. Tu veux vraiment faire des tout petits détails, normalement tu prends du 0,0 quelque chose, du genre du 0,01 ou 0,1. Ou... Moi je prends jamais en dessous de 1, mais par contre... Des fois, bah, je fais des gros paratés dégueulasses. Qu'on a fait toutes les racines. Ah non, là. Hop. Voilà. Maintenant, on va reprendre le premier. Ça, c'est prévu le premier. Ça, c'est c'était du cendre bleu. Oh non, c'est... Là, tu utilises le cendre bleu. Ah oui, peut-être bien, oui. Le cendre bleu, je suis trop dégoûtée. J'arrive pas à le trouver en pigment dans le commerce. J'aimerais trop me le fabriquer moi-même. C'est du bleu de phtalocyamine, enfin c'est du de pigment de phtalocyamine, mais je trouve pas de le même... En fait, un pigment peut avoir plusieurs couleurs en fonction de comment il est fabriqué. Et bah même s'ils ont le même code en fait, je trouve que c'est pas exactement la même couleur, ah, c'est chiant. Ah, je suis là, je me dis, ah génial, c'est le pigment que je veux, ah, et puis en fait, je fabrique mon bleu, alors c'est un très beau bleu, mais c'est pas celui que je veux. Là, j'aimerais chercher trouver un marchand de couleurs. Oui, c'est comme ça qu'on appelle les gens qui vendent des pigments et des peintures. J'aimerais trouver un marchand de couleurs proche de chez moi. C'est pas connu en fait.
T'as beaucoup de magasins de beaux-arts, bien sûr, qui vendent des pigments. Mais c'est pas pareil qu'un mec qui les fabriquerait, qui peut te dire là, leur provenance, ce qu'il y a dedans, tout ça, tout ça. Bah, j'en connais un. Et le problème, c'est qu'il est en... Il est en Bretagne. C'est pas lui que j'avais acheté, c'est lui qui m'avait offert les pigments dorés qui m'ont permis de faire ma petite carte. Parce qu'en fait, quand j'étais petite, jeune, ado, c'était il y a plus de... Je te dis ça, c'est un truc, ça remonte à il y a plus de 15 ans. J'ai été à la Gacilly en Bretagne, et en fait, il y a un marchand de couleurs, et on lui avait acheté plein de pigments, mais à l'époque, je savais pas m'en servir, donc depuis, je les ai perdus, jetés, je sais pas. En tout cas, je les ai plus. Il me reste que le doré. Enfin, il me restait que le doré, que j'ai gardé pendant des années, parce que je me suis dit, ah, le doré, il est joli. Et en fait, le truc, c'est qu'on lui avait acheté plein de pigments, et le doré, moi, je lui ai dit, ah, mais vous avez des... Je sais que ça existe... À l'époque, c'était pas connu, hein, les aquarelles métallisées, mais genre, je lui ai dit, est-ce qu'on peut faire de la peinture métallisée? Il fait, ouais, et il m'amène son pot de pigments dorés, et il me montre, en fait, je vois, ah, c'est trop bien et tout. Enfin, genre, j'étais en extase, quoi, tu vois. Il me dit, bah, attends, et il m'en a mis, en fait, 2 grammes dans une petite boîte, et il me les a offerts avec le reste des pigments qu'on avait achetés. Donc pendant des années, j'en ai rien fait, j'étais juste là en mode, ouais, j'ai de la poussière qui brille, c'est beau. Et puis c'est là récemment que j'ai regardé dans mon placard et je me suis dit, oh, mais j'ai ça. Et du coup, je me suis fabriqué de l'aquarelle dorée avec, et ça marche vachement bien. Donc j'ai été voir, ils travaillent toujours à la Gacilly, mais bon, ça fait loin de chez moi, quoi. Je vais pas aller là-bas pour acheter des pigments, quoi. Bon, j'en achèterai pas très souvent. Peut-être, mais je préfère à choisir, tu vois, quitte à devoir envoyer. Je connais dans les magasins d'art, ils en vendent, tu vois, donc si je vais chez Boesner ou quoi, ils en ont. Ça, c'est pas un problème, mais je préférerais être en physique, en fait, avoir un producteur local, si tu veux. Parce que bah déjà c'est local donc c'est cool, et puis ça me permet de vraiment discuter avec tout ça, de vraiment parce que là le gars à la Gacilly il vend aussi ses propres peintures, donc quelque part en même temps, tu vois, si je lui commande, je ferai un peu de la concurrence, donc c'est pas forcément intéressant pour lui de se créer des concurrents, même si je suis à l'autre bout de la France. Que j'aimerais vraiment avoir un local, quoi. Mais bah je sais pas du tout, en fait tu trouves pas sur internet. Déjà quand tu cherches pigment sur Google, ce connard là il traduit ça en piment, et t'as envie de lui dire mais non Google, je veux pas des piments, je veux des pigments avec un G. Merde. Ensuite, quand tu tapes marchand de couleurs, bah t'as beaucoup de comment dire, beaucoup de trucs qui ont rien à voir qui ressortent. Quand tu tapes pigmenterie ou quoi, tu vas avoir des salons de tatouage. Enfin, le truc c'est ça, c'est que comme c'est hyper rare, bah le truc il essaye de te sortir un peu tout sans vraiment comprendre ce que tu lui demandes. Cette musique, waouh, c'est remonté 20 ans en arrière. Mmh.
musique de la cinématique de World of Warcraft de base. Ouais, mais en casu, tu vois, je vais faire mes petits trucs tous les mois pour mon comptoir et puis c'est tout. Et j'aime très bien mon jeu comme ça, tu vois. Ça me... Là, je me prends pas la tête, je fais ma petite. Je sais que c'est un jeu en ligne, mais bon. Par contre, j'avoue que sur mes fanarts World of Warcraft, je suis un peu dans l'attente là de savoir ce qui va se passer. Parce que. Comment ? Ah, Microsoft a viré toute l'équipe de community management. Donc on sait pas du tout, nous, si on va encore avoir. Bah, tu vois, si on va encore avoir un partenariat, encore avoir quoi que ce soit, tu vois. Là-dessus, je suis un peu dans l'attente. Autant Blizzard me laissait bien gentiment me faire mes fanarts, les vendre, tu vois, ils faisaient genre tout va bien. Autant je sais pas si Microsoft aura la même bienveillance. Moi tant qu'on me dit rien, ça me va très bien, hein. Mais c'est clair que si on vient m'engueuler, bah. on m'engueulera quoi, donc. C'est un petit peu l'attente, quoi. Est-ce que je vais me faire massacrer ou pas? Mais ouais, j'ai envie de les faire aussi. Est-ce que avec le cappuccino que je me suis enfilé, j'irai pas faire une petite pause toilette? Ça s'achèche un peu. S'achèche. Et comme ça, je peux mettre la... les clairs par-dessus. Enfin, les couleurs claires. Comme ça, fini la crête. Je fais la corne. Et puis, je pourrais passer à l'aile du fond. Et on sera bien. On va faire une petite pause bio.
j'ai pas remis mon micro. Du coup, je m'entendais pas. Il va me falloir my watch. L'état de ces palettes de gouache. C'est terrible. Je sais même pas où poser ça. Tellement c'est dégueulasse. Bonne nuit. J'ai fait. Normalement, ouais, j'aimerais faire Zephyr complètement en stream. C'est bon, entre ce que j'aimerais faire et ce que je fais. Pas toujours. Bonne soirée à toi aussi. En pâture, moi qui aimais bien à la base avoir des couleurs bien définies et tout, je finis par me dire bon, je vais mettre ça en prenant la première merde qui traîne sur la palette. Je me dis bah ce serait bien ça. Ouais. C'est qu'après ça se mélange sur ta feuille et puis ça fait plein de couleurs que t'as pas partout. Ça permet de varier les couleurs vraiment. C'est pour ça que vous verrez souvent des peintres avec des palettes dégueulasses. Ça nous permet de faire plein de couleurs. Ma palette, si je la nettoie une fois tous les 3 mois, c'est déjà beaucoup. Alors les gouaches, je crois que je les ai encore jamais nettoyées. De gauche.
Petit détail. D'être un peu précis, un peu attentif. T'es pas... pas compliqué, mais on va dire que c'est un petit peu moins quoi dire et je dois un peu plus réfléchir à mes mots. Je vais peut-être pas mettre de reflet ici puisque on va être sur une zone qui est censée déjà être dans l'ombre. Un grindouille de orange qui se balade dedans. Cette palette là elle a vraiment pas de gueule. Gros avantage de la gouache par rapport à la à l'aquarelle, c'est que je peux peindre plusieurs endroits et après venir mettre de l'eau là où l'aquarelle en fait comme elle sèche, bah si on fait ça on peut plus trop bouger la peinture, alors que là ça marche très très bien. Je viens mettre de l'aquarelle, ensuite je viens mettre un peu de l'eau. Ça fonctionne.
mon téléphone, c'est ce qui s'est passé. Mon téléphone qui me demande comment ça va. Vous avez pensé à aller faire du sport, à faire ça? Oui, je l'ai pas fait. Et t'es un téléphone, ça te regarde pas. On va dire qu'au moins, faute que moi, je me préoccupe de ma santé, il y a au moins mon téléphone qui fait semblant. Un peu trop enlevé de certains. Et le orange. La vue de pif, c'est celui-là. C'est pas bon. C'est guerre fabriquée. Un peu plus de blanc. C'est que j'ai pas de blanc qui soit pas déjà tout dégueu. Hop.
On prend un petit blanc qui traîne. Partout sur la main, très important. Et on mélange. Alors qu'est-ce que ça dit ? Ça dit que c'est la bonne couleur. Ça dit aussi que beaucoup de peintures se font partout. Et un poil du dit pinceau qui se détache. Chat maintenant. Il va me falloir mon ancien pigment bleu et il doit être celui-là. Il y a des tout petits endroits ici où il n'y a pas de pigment. Que moi ça me stresse. C'est clairement le truc, ça se verra pas du tout pour les gens qui regardent parce que bah déjà si c'est une repro plus petit format ça ne se voit pas. Mais que les gens de toute façon que ils savent pas, ils regardent pas. Mais moi je sais. Il y a des trucs comme ça, si toi tu sais, bah t'es mort. J'ai encore pas remis mes deux images de référence. Pas le bon pinceau. Bien, c'est que si je le détaille assez, je pourrais même m'en servir en l'agrandissant.
qui, à la base, n'est pas le but. Tant qu'à faire que se faire chier à le faire bien. Ça serve. Là, c'est compliqué parce qu'il faut que je fasse un très léger dégradé, mais pas trop non plus, sinon le orange et le bleu se mélangent et ils font du vert. Et du coup, il faut que je fasse une couleur qui existe sans exister, le bleu orangé. Et c'est essayer d'imaginer un bleu et un bleu jaune, c'est... techniquement c'est pas possible, ça fait du orange. mais faut y arriver. Que quand vous regardez le ciel et qu'il y a un coucher de soleil, eh ben le bleu et le orange ils se mélangent sans pour autant faire du vert. C'est ce que j'ai essayé de reproduire un peu dans le coin ici, mais vous ne voyez pas trop. Ça se fait un petit à petit. Doucement mais sûrement. En tout cas, je suis contente parce que ce que j'ai fait ici,
C'était très bleu avant que je mette le reste, et là, on voit vraiment que c'est gris. Mais c'est pas... En vrai, c'est pas gris, c'est vraiment bleu. Donc je suis contente d'avoir mis un bleu... Enfin, j'ai bien géré mon bleu. Pour qu'il ressorte gris, alors que... Alors que, bah non, c'est pas gris. C'était important de mettre un bleu, parce que si j'avais juste mis du gris en me disant, bah de toute façon, c'est pour faire du gris, quoi, pour que ça soit blanc, donc blanc et gris, quoi. Il aurait paru trop terne, ça aurait fait que le dessin ne s'incluait pas dans le... Enfin, que le dragon ne s'incluait pas dans le fond. Ça aurait été très embêtant. Ah, oh, fait chier. De toute façon, il se charge soit trop, soit pas assez. De pas avoir les deux traits de crayon. Ah, alors les petites aigrettes. Moi qui à la base voulais faire l'aile qui était en arrière-plan. Et qui me retrouve du coup à faire totalement le... La tête en premier plan.
défonce. Mais quand même tant faut t'en garde parce que tu dois en mettre d'un autre côté. En poussant une palette de gouache. Maintenant, ne sert pas. Donc, le dioxyde. Le bleu. Je mets du bleu de Prusse ou du... Ouais. Encore une pub! Mais trop de pub, Twitch. J'avais fait comment pour la plume là-bas? Là, j'ai mis des petits traits quand même. Thank you.
Hop. De toute façon, ouais, c'est bien ce que je pensais. Il y a les pupilles. Là, c'est simple. Si tu fais ça en off, ce sera plus facile. Une pointe plus petite parce que là on arrive vraiment sur le micro détail. Et quand je vous dis que c'est une pointe plus petite, regardez la vie. Faut ce qu'il faut. Chose que je reprocherais à cette pointe, où elle transporte vraiment pas de fond. Mais parce qu'on lui demande. Peut-être la garder pour faire toutes les plumes blanches. Elles sont vraiment toutes petites, pareil pour les dents. Ce sera peut-être plus simple que de travailler avec la grosse, les grosses pointes. Par contre, vous voyez mon godet en mode sac à merde. Merci beaucoup, Lucida. Et encore sur... on n'est pas sur les couleurs telles qu'elles sont en vrai. Je peux t'assurer qu'elles sont plus jolies en vrai. Je suis mis plein de fautes sur les mains. Avant de faire toutes les petites plumes là sur la tête. Thank you.
presque pas se voir. Mais elle rajoute vraiment du relief. Et en même temps, c'est ce que je leur demande. Donc, c'est parfait. Le pinceau est tellement long. Il tape dans la caméra. Mais il faut un pinceau long parce que c'est ça l'équilibre. Du coup, il est plus lourd et on est plus stable. Enfin, je trouve, perso. Après, là, c'est peut-être pas ça le but, hein. Mais moi, je trouve. Je me suis mis plein de blanc sur mon gros. Et après, si je mets mon gros poupou sur mon dessin, ben, je vais tout niquer. Très grave, ça, les poils sur un si petit pinceau. C'est là que je suis incroyablement contente de porter des lunettes. J'avais dû faire ça il y a 3 ans alors que je voyais mal et que j'avais pas de lunettes.
alors j'attends un peu que ça sèche avant de mettre une... Peut-être pas mal. Ça évitera le risque que ça fuse dans tous les sens et que ça soit mort. Alors... La corne. Et d'un bleu plus pâle. Un peu en mode Jean-Michel La Tremblotte là. Pas un endroit idéal pour bosser cette corde. Elle a un angle qui est pile dans aucun angle que peut prendre ma main pour être à l'aise. Thank you.
J'espérais que j'irais un peu plus vite pour le reste. Alors la question que je me pose c'est comment je gère ma couleur ici. Je vais pousser dans le noir mais... Parce que là je suis censée avoir le contre-jour de l'aile. Est-ce que je la fais à la gouache ou est-ce que je la laisse comme ça? Moi, ça doit être presque rouge, ça. Presque rouge, ce qui voudrait potentiellement dire... On reste sur un pourpre liose bien pétant. Parce qu'on tape carrément dans... Dans un lac de garance rose, ou un rouge carmin, carrément. Le problème du carmin, c'est qu'il est transparent.
Mais... Non, le lac de Garancerous. Mais pareil, transparent. Et juste avant le rose opéra, rose opéra... Purée, c'est les couleurs... Où elles se ressemblent toutes. Au secours! J'ai le rouge Venise ici, qui est un peu un marron, qui est là. La lac de Garançon, c'est ma couleur préférée. Le carmin. La lac carmine. Ah, attends, j'ai perdu. Rouge de Venise. Lac de Garance. Carmin. Lac carminé. Quinacridone. Lac de Garance rose. Ok, c'est celle-là. Et... On va prendre beaucoup d'eau et on va faire ça en une. Essayer d'éviter au maximum. Là, c'est pour faire, vous savez, l'effet comme quand par exemple il y a la lumière qui rentre derrière une oreille ou quoi. Ça fait un effet. Un effet de contre-éclairage. Sur quelque chose qui est surprenant. Le dragon était d'une autre couleur, ça pourrait faire bizarre des grandes taches roses comme ça.
après pour le reste de l'ombre. C'est un effet galaxie. Donc je laisse un peu de lumière. Pour venir y travailler tranquillement. Je vais peut-être m'arrêter là pour le moment parce que de toute façon là je suis partie pour avoir besoin d'attendre une demi-heure de sèche en haut facile et ça m'amène là. Je pense que je vais arrêter ça là pour l'instant et puis bah voilà, après il faut savoir qu'il y aura le même effet là, je sais pas si on voit ça. Donc le même effet là que là, là donc comme je disais une nébuleuse. Là pareil, nébuleuse, là ça sera bleu mais je veux pas que ça reste du bleu. Là on aura le reflet de la lumière orange. Là, oui d'ailleurs. Ouais, il y a encore du boulot. mais le truc où je mets vraiment le plus de temps, normalement c'est fait, c'est censé être la tête. Et la tête c'est bon. Et l'avantage c'est que tout ici, malgré qu'il y ait... Si j'avais pas fait une nébuleuse, j'aurais dû faire chaque plume là. Mais là, je vais pas faire chaque lume. Je les ai dessinés parce que l'habitude, mais. Mais elles y seront pas, croyez-moi. Allez, je vous souhaite bonne soirée, les petits chats. Je dis à la prochaine. Ciao, ciao. Oh, pourquoi c'est d'une couleur comme ça? Attendez. Vous voyez quand même à la fin à quoi ça ressemble. Regardez-moi ça. Allez, ciao, les chatons.